Bonjour, dans cette courte vidéo, je vais vous montrer comment changer votre avatar, c'est-à-dire l'image qui vous représente sur la plateforme Moodle et pour les cours auxquels vous êtes inscrit. Donc vous voyez ici à côté du nom de mon compte que j'ai créé à cet effet, vous avez votre avatar qui est, vous en conviendrez, pas très, personnel. Pour le changer, il suffit de cliquer sur le menu utilisateur et de choisir profil. Sur votre page de profil, vous avez plusieurs informations vous concernant et pour modifier vos informations, vous cliquez sur modifier le profil. Vous avez là un certain nombre de données personnelles que vous ne pouvez pas changer, comme ici l'adresse de courrier électronique. Et vous avez d'autres champs d'information que vous pouvez modifier, comme la description vous concernant. Donc vous pouvez décrire qui vous êtes, où vous travaillez, ou ce que vous attendez du cours. Et après, vous avez avatar utilisateur. Et c'est là où vous allez pouvoir charger une photo pour vous représenter. Je vais donc ouvrir ici mon navigateur de fichiers où j'ai préparé une photo qui ne fait que 179 kilo-octets pour remplacer l'avatar par défaut dans Moodle. Il suffit de cliquer sur votre photo, de la tirer et de la lâcher au-dessus de la zone indiquée où c'est écrit lâcher les fichiers ici pour les envoyer. Voilà, c'est chose faite. Je ferme mon navigateur de fichiers. Je défile en bas de la page et je clique sur Enregistrer le profil pour enregistrer ma photo. Et voilà, vous avez vu que l'avatar par défaut, très impersonnel, a été remplacé par ma photo, ce qui rend le cours plus convivial pour les autres utilisateurs. Parce que si tout le monde avait la même photo, ce serait un petit peu monotone. Voilà, j'espère que vous allez m'imiter et je vous souhaite une bonne formation.